Allez, bonjour à tous et un très bon mercredi. La foire de Montluçon, c'est toute la semaine des journées thématiques. Ce mercredi est consacré aux enfants. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition et bonne fête à Bruno. Alors, comme tous les ans, la foire de Montluçon avec IKTV et TMO, des cadeaux à gagner. Alors, merci à nos partenaires qui vous proposent ces cadeaux. L'Ecobugna à Valeron-Sully qui vous offre des corbeilles garnies avec des bons produits du tiroir. Éric Chavilla, de photographe à Montluçon, qui est d'ailleurs présent sur la foire et qui vous offre des bons d'achat, des photos en studio. Merci au Château de la Mouchatte, Aurélie et Éric Devise, qui vous offrent des t-shirts et des casquettes. Notre partenaire floral, déco et flore, floriste à Valeron-Sully, qui vous offre aussi des bons d'achat. Et toujours notre grand jeu en partenariat avec Atanor. Un magnifique spectacle symphonique, ce sera le vendredi 15 octobre. Et des places pour voir ou revoir Jeff Panaclock, comme je disais hier, il est content. Ce sera le samedi 16 octobre à 20h30. Alors pour gagner au tirage au sort, donc abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez et partagez. Le tirage au sort sera vendredi à 19h. Les corbeilles, les bons photos et les cadeaux sont à retirer sur le plateau TV Hall B de la foire de Montluçon, le samedi 9 octobre de 14h à 17h. Et toujours un voyage à gagner en Irlande, donc sur la foire de Montluçon, qui est offert par Menev, l'organisateur de la foire. Un programme très varié qui sera ponctué par de nombreuses animations. Et tout de suite, donc, nous retrouvons Pascal et Géraldine qui vous présentent le programme de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau de TMO, la chaîne de l'info, la chaîne de l'événement de la foire de Montluçon. Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal et bonjour nous à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce mercredi 6 octobre, journée des enfants. Journée des enfants et journée des Bruno, on leur souhaite une bonne fête. C'est qui Bruno? Bruno c'est un saint. Ah, ouais. Bruno est un saint. Mm-hmm. Eh bien tiens, puisqu'on en est, nous sommes en train de fêter les Bruno, on va souhaiter un anniversaire également à Mathieu Gaillard. Mathieu Gaillard, et ben voilà. C'est lui qui nous a amené cette magnifique exposition sur la foire de Montluçon. Qui est terre des Celtes. C'est ça, terre des Celtes, enfin les Celtes, terre de légende plus précisément. Bon anniversaire à Mathieu. Voilà, et si vous n'êtes pas encore venu sur la foire de Montluçon pour découvrir cette merveilleuse exposition, vraiment, venez, c'est un trésor. Ah oui, oui, non, mais il y a énormément de choses à découvrir. Il y a encore beaucoup d'interrogations parce que ça reste une terre de légende. Donc, bien sûr. Qui terre dit de légende, dit petit point d'interrogation et de suspension. Bref, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, il faut absolument y aller. Puis en plus, il y a des jolies boutiques à la sortie de l'expo avec les fameux qui luttent avec la fameuse. Et le concert. Le concert, et puis tu sais, tout ce qui est. Produits typiquement irlandais, les whisky, les bières, mais aussi la laine, des vêtements appropriés. C'est ça, et le spectacle également du dragonnier. Oh oui, ça c'est à ne pas louper. Qui est exceptionnel également. Et puis aujourd'hui, en plus, deuxième raison pour venir nombreux à la foire de Montluçon, le temps est clément, le temps est relativement sympathique. On a du soleil. Le programme des animations du jour, ça va commencer dans l'allée centrale cet après-midi pour tous les enfants. Un goûter vous sera offert. Voilà, goûter offert pour les enfants. Et puis on a également des structures sur ballon, maquillage avec notre amie Cathy Animation. Ateliers de fabrication du pain, comme c'est une tradition sur la foire de Montluçon. Exactement. À 14h et 16h30 avec la boulangerie Triboulet. Et à 15h30 et 17h30, un spectacle avec Entracte, les contes de l'Ouroboros, musique, théâtre, images de cirque à 15h30 et 17h30. Ce sera sur le carré scénique à côté du carré tendance. Voilà, carré tendance, je ne sais pas si tu l'as dit, mais les enfants vont pouvoir se faire maquiller également. Ben oui. Oui, ça c'est mais important oui, de le dire. Sûr. Tous les enfants de moins de 12 ans de 14h à 17h avec New Look, New Look 121 et l'atelier avec Nature Essence. Autre chose à ne pas manquer aujourd'hui, la magie est à l'honneur, comme bien c'était sûr. Le cas déjà hier pour la journée des dames. Tout à fait. Et bien aujourd'hui pour la journée des enfants, la magie est à l'honneur avec notre chef magicien, avec Karl, qui vous présente une très belle exposition Illusion d'optique dans l'allée centrale. Dès que vous arrivez, vous ne pouvez pas
pas la manquer. Et puis d'ailleurs, puisque tu parles de chef, eh bien, nous aurons également demain sur l'espace Un jour, un chef, avec l'association culinaire, l'Académie culinaire Lenerios, des cours de cuisine qui vous seront proposés encore, avec à 10h, de 10h à 13h30, Hervé Courtet de la cuisine d'Hervé à Moulins, excellente adresse, qui vous proposera de participer à un cours pour 25€ seulement. Hein, vous pouvez encore peut-être rejoindre l'équipe qui est en cours, le paleron de bœuf braisé à la pourpre de Charroux et à la bière bourbonnaise. Pas mal ça. Je sais que tu apprécies particulièrement la bière bourbonnaise. Non, mais le dessert, il a l'air pas mal non plus. Ah hein. Oui, bien sûr. Une tarte sablée à la carotte meringuée au safran d'Allier. Et oui, dans l'Allier, il y a du safran. Cette fleur exotique est également là. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi. Grande régalade. Un peu plus tard dans l'après-midi, ça va être pour les petits schtroumpfs. Ah. On vous propose un atelier chocolat avec Adrien Leroux du Bon Chocolat à Montluçon. Génial, génial. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, vous voyez tous les ingrédients pour venir passer une journée exceptionnelle avec à l'honneur, principalement en ce mercredi, bien sûr, les enfants qui seront les petits princes et petites princesses Pascal. De la foire de Montluçon. On est ensemble depuis 10h et jusqu'à 20h30, mais vous pouvez rester un peu plus tard si vous avez envie de faire la fête, puisque toujours l'espace Foire en Fête vous propose encore une fois un superbe concert. Et ce soir, nous aurons un concert du duo Freedom. Voilà, la paix. La liberté. Ouais, je pense que d'homme l'amour, est libre. Bien sûr. Tout dire tout un truc dans le genre, c'est ça. En tout cas, personnellement, j'ai été ravi d'être avec vous durant ces 5 premiers jours de la foire de Montluçon. Malheureusement, je suis appelé vers d'autres cieux pour la fin de la semaine. Géraldine, je vais te laisser toute seule jusqu'à dimanche. Oh, quelle tristesse. Oui, et ben, je suis très triste également. Non, mais tu vas me manquer. Ben, j'imagine, mais je sais qu'on s'entend, même si on se titille régulièrement, c'est l'amour qui veut ça. Ah. L'amour de la scène et du travail. Nous attention. Sommes un duo de voix. Un duo de voix. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à la foire de Montluçon. Et puis, long vent pour ces derniers jours. Et je sais que vous êtes très, très nombreux depuis le début. Et vraiment, ce n'est pas exagéré quand je dis ça. Les chiffres grimpent. Et vous êtes très nombreux à être fidèles à la foire de Montluçon. Continuez, parce que vous avez une pépite ici, dans la région, pour c'est faire Géraldine. Des bonnes affaires. C'est moi la pépite. Aussi, hein, tu fais partie de la pépite également. Je salue bien sûr notre directeur d'antenne, Dominique de ICA Info, oui. Qui nous accueille tous les jours ici dans le studio. Mais et tu puis le son équipe encore, technique avec Damien, sûr. Samantha, et puis le caméraman. Je vais lui faire un gros bisou parce que j'ai oublié son prénom, mais il va me revenir, ça va revenir. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Allez, venez vite nous rejoindre si vous n'avez pas imaginé venir et trouver vraiment ce que vous souhaitez. C'est là que ça se passe. C'est sur la foire de Montluçon. On se retrouve vive dans les allées toute la journée. La chaîne de l'événement. À très bientôt. Ciao, ciao. Et que le bonheur soit avec vous. Allez, un plat sur la foire avec New Look 121, coiffeur à Montluçon. Bien, mesdames et messieurs, eh bien, en direct de la foire de Montluçon, où j'ai le plaisir de me trouver sur un stand tout à fait exceptionnel. Tout le stand. Alors, j'ai à ma droite New Look 121, coiffeur, visagiste. J'ai à ma gauche l'Institut by New Look 121. Venez voir avec moi. Regardez. On est en train de faire une petite coupe à ce monsieur. C'est quoi la tendance? Alors, la tendance, surtout pour les femmes, tout ce qui est carré, court. Et pour les hommes et aussi pour les hommes. Alors les hommes, ça reste... Donc là, c'est une coupe plutôt classique. Et après, on part sur des fondus américains, fondus à blanc, des choses comme ça. Alors, chez New Look 121, est-ce qu'il y a des nouveautés là? Est-ce que c'est important de parler de nouveautés? À l'occasion de la foire, je crois que vous avez des choses à nous apprendre. Oui, voilà. Donc nous, on est coiffeurs visagistes. Les tendances sont tout ce qui est carré, les couleurs plutôt uniformes, les balayages blond polaire, tout ce qui est choses comme ça. Et nous avons aussi créé l'Institut chez New Look 121. Vous venez avec moi? On va en parler de l'Institut. On va abandonner monsieur pendant quelques instants. Venez toutes les deux, parce que vous êtes deux. Alors, attends, j'ai tourné le dos à la caméra. Ici, j'ai Audrey. Et à côté Bernadette. Audrey et Bernadette, on va passer à l'Institut. Suivez-nous, regardez, l'Institut. Donc parlez-moi un petit peu, on va vous demander de nous expliquer en quoi consistent et les services que vous proposez à l'Institut. Alors depuis le 1er septembre, on a fait un institut, l'Institut by New Look 121, par rapport à notre cliente qui nous le demandait beaucoup.
C'est-à-dire que la cliente, quand elle vient, elle se fait faire les mèches. Le temps que les mèches posent, elles peuvent se faire faire les ongles, les épilations, voilà. Voilà, on a d'ailleurs une dame qui est en train de se faire sécher les ongles. Tout à fait. Une autre dame qui est en train de se faire épiler. On va la voir. Voilà, donc... On va aller la voir. On va voir ce qui se passe, là. Voilà, alors... Expliquez-moi alors, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment même? Donc il y a une esthéticienne qui est en train, c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, c'est ça, esthéticienne, donc c'est Laurie. C'est Laurie. De l'équipe depuis le 1er septembre. Très bien, alors Laurie, je peux la faire parler quand même, Laurie. Oui, Laurie, alors qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de c'est les sourcils. Oui, c'est ça, je suis en train de structurer les sourcils de la dame pour embellir son regard. Elle est déjà très belle, donc elle va être encore plus belle. On redonne l'adresse? New Look 121, 121 Avenue de la République à Montluçon. Et l'Institut ? L'Institut au même endroit, 121 Avenue de la République à Montluçon. C'est important de le dire. Et voilà. Puis jusqu'à dimanche, on vous trouve ici, voilà, sur la foire de Montluçon. On peut prendre rendez-vous ici en direct ? Voilà, avec et sans rendez-vous. Et en plus, on fait des tarifs foire, donc profitez-en. Comment ça se passe pour prendre rendez-vous? Venez vers moi, parce que il faut que vous soyez toutes les deux à l'image quand même. Expliquez-moi comment on fait pour prendre rendez-vous puisque vous êtes sur la foire. Est-ce que le salon et l'institut restent ouverts en ville? Le salon est ouvert. Le salon de coiffure est ouvert du mardi au samedi. Il y a toujours quelqu'un au salon de coiffure. Par contre, au niveau esthétique, ça se passera toujours à la foire. Donc les clientes, soit elles viennent prendre, soit le téléphone au salon, elles peuvent prendre rendez-vous pour la foire, soit elles viennent directement en passant et elles nous demandent. Et sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est très actifs. Très bien. Et puis bien sûr, si on veut être discret, si la personne ne veut pas, on ferme tout. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, retournez-vous, parce qu'autrement, on va pas nous voir. Elle se cache, elle passe derrière. Elle est en train de filmer le local. Juste pour dire aussi que nous faisons des soins et des épilations pour les hommes, ce n'est pas que pour les dames. C'est pour moi que vous dites ça? Non, voilà. C'est pour tout le monde. Pour dire que les hommes sont les bienvenus aussi, voilà, bien sûr. Merci beaucoup, direct de l'Institut, en direct de New Look 121, sur la foire de Montluçon. C'est le bonheur absolu ici, on prend soin de nous, on prend soin de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc une bonne journée à la foire de Montluçon. Alors pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire. Portez-vous bien et à demain pour une nouvelle édition.